Bonjour les amis, voici un livre que mon papa et ma maman me lisaient quand j'étais petite. Il s'appelle « Il ne faut pas habiller les animaux » par Judy Barrett et illustré par Ron Barrett. Il ne faut pas habiller les animaux parce que ce serait désastreux pour le porc-épic de porter des vêtements. Oh oh, il a déchiré la chemise. Parce que le chameau les mettrait au mauvais endroit. Oups, sur les bosses. Parce que le serpent les perdrait. Glisse du pantalon. Parce que la souris s'y perdrait. Où est la souris? Elle est sous le chapeau. Parce que le mouton aurait trop chaud. Parce que le cochon les salirait. Ouh, père, tout sale. Parce que la poule serait embarrassée. Oups, l'œuf est dans le pantalon. Parce que le kangourou ne saurait qu'en faire. Trop de poches. Parce que la girafe serait ridicule. Regarde toutes les cravates. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cravates. Parce que la chèvre les brouterait au déjeuner. Miam, 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 miam. Parce que le morse les porterait toujours trempés. Oh là là, tout mouillé. Parce que l'élan ne pourrait pas se débrouiller. Oups, il a mis les bretelles sur ses bois. Parce que les opossums les mettraient sûrement à l'envers. Et surtout parce que ce serait gênant pour bien des gens. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont pareils. Au revoir les amis.